Azouf Lawan, Marvin Swan, c'est le match que je veux dire, mais je vais essayer dès l'après-match pour parler justement du match de Ligue de Ligue à travers la Jaskal Koud Benak. Nous, on aura pas mal de choses à montrer les séquences à la Denisienne. Donc, avec le nombre de séquences et le nombre de trucs, ici, il y a de neuf, ici, il y a de neuf. Sur les trois questions et tout, il y a beaucoup plus des réactions, des commentaires, des réseaux sociaux un peu partout. C'est que les mêmes problèmes, Iglen, Zira Jiaska, de Amadel Machinel ou Haran avant, même si Nervah n'a souligné, ça serait les mêmes problèmes, la relance et tout, ils sont symbolisés par un joueur. Et en deuxième temps, on va analyser la mauvaise connexion entre les attaquants. Tu c'est juste un problème de connexion, mais beaucoup plus un problème de timing, de feeling, des fois même de confiance. Il peut y avoir une meilleure alchimie que Thinenwala. Et en dernier lieu, Adnan a répondu à la question fondamentale du Ralan, c'est le fond du jeu. Est-ce qu'il n'y a pas de fond du jeu ou le fond du jeu? C'est une question à plusieurs reprises. Et on va démontrer qu'il y a un fond de jeu quand même, le fond du jeu des choses. Et on va essayer de l'expliquer en images. Donc, je vais vous les images qu'on essaye d'un sien. Si ça reste like et m'abonner à la chaîne, ça c'est quand même quelque chose qui nous soutient. La vidéo est sponsorisée comme d'habitude par un ancien sponsor de la vidéo qui est Action Future, centre de formation professionnelle du Canada. Pour tous ceux qui veulent aller faire une formation d'Ihen, puisque tu vois l'immigration au Canada, là, donc pour tous ceux qui veulent faire une formation d'Ihen, Maboudi Canada, Maboudi le lien, le site, la description. Alors, c'est quand même des gens qui sont de confiance. C'est les problèmes et ça a la GSK de relance. C'est des problèmes qui ne vont pas se régler. Ils vont pas se régler Kanakegi. Soit on va vers un changement de système de relance, soit même Kanakegi. Ça, c'est la première situation à Redskina, qui est pour moi dès le début du match. Et ma compte à Ouharan, et ma compte à l'équipe qui est venue Manuel, même à les après-match, même si Denisien, c'était la même chose. Les problèmes de relance de Redskina sont définis dès l'action. Il y a Ballon Ben Zayed qui va essayer de trouver Bourgeonchouche. Bourgeonchouche. Attirer le souillade, il a dit, c'est que le souillade, il a l'espace, il se met à y aller sur le ballon, mais il va prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à prendre une décision. Il a dit, Zaradiardjo, plus de 3, 4, 5 secondes, il prime, il Zaradjo pour justement dire au ballon, il va trouver une chute, un ballon, c'est du ral, il attire le joueur, pour finalement dégager un ballon, essayer de relancer sur Bouali, une mauvaise relance. Non, Amrish qui sera récupéré par l'équipe de Ben Aknoun. Donc c'est Guinée, c'est la première chose, et tu vois l'herbe, elle est pas la fluidité de l'action, mais dès le départ il sait le choix, il sait l'espace, il aimerait aller sur le ballon, gagner des mètres sur le ballon. Mais Belek, c'est pas les consignes de l'entraîneur, gagner des mètres sur le ballon, c'est pas les consignes de l'entraîneur. Mais je sais nous après, nous dans une autre situation. La même chose, hein? Vraiment la même chose, hein, à Balouar Ben Zayed qui va essayer de trouver Souyed, il sait une nouvelle fois l'espace, il peut soit on voit il essaie, il tarde pour une nouvelle fois faire une mauvaise relance sur le côté. Et Enchtegini, Nouales, à plusieurs reprises, le schéma qui tu as oued et met tu as oued 2-3 fois. Nous voilà après midi tu as oued le schéma yagini Almeida il va vers un changement de relanceur enda au lieu d'y faire sous ballon souillet d'y faire tout ballon Ben Zayed. Oui, il y a des meilleures relances, mais kif il signe il s'en aime Ben Zayed et souillet la qualité ce n'est pas la relance in tu elit aime la prise de balance thème zouerouz. Ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de mal à trouver la solution. Ça a la qualité de la lecture, l'action dans le jeu. C'est des joueurs défensifs, des duels Belek, mais dans la création. Et nous, voilà, après les deux actions, ils vivent complètement le schéma Inès. Ils trouvent les Tchalits Ben Zayed. Mais pour moi, ça n'a pas été une grande réussite, la relance des Tarbat Allah. Jusqu'à après, il y a une situation vers Adadiskina, toujours des Souyed. La situation, il y a un ballon à refaire. Et les gars, tu vois, il n'y a aucune relance, zéro de la relance. Le dégagement, il n'a pas de sens.
Alors que Zihin, il faut mettre un joueur qui peut te faire sortir la balle. Parce que Zagui, maintenant, le début de l'action, c'est une équipe Mbenakin qui vient presser. Il vient presser, qui vient chercher haut. Donc, mais il faut le ballon. Zagui, c'est une transition rapide, c'est une contre-attaque. Donc, Zihin, se dégage d'un ballon. Même d'une manière. Se dégage de ce qu'il ça sert à quoi? Ça mène où? Donc, Zagui, c'est des problèmes inouïs de la GSK depuis Chalouya-Guinée. Ils ne vont pas se régler qu'un il faut, soit il faut un changement, mais il a quand de la pré-saison. Personne n'a parlé de ça. Personne n'a demandé un axial de métier, un vrai relanceur. Et c'est ce qui manque à la GSK. Un véritable relanceur sous ballon qui est sur une classe de passe et des hands sous pressing. La qualité, c'est la relance, la sortie de balle sous pression. Et la vision de jeu, il a qu'à jouer la magie de la GSK. Et tu vois, parce que quand il est là, ça ne serait pas le même match. Parce qu'un ballon, il est gré de le milieu de l'attaque, un ballon de la défense. Mais la défense, il se fout d'un ballon. Mais la défense, il se résiste sous pression. Mais la défense, il se résiste sous pression à son ballon. Tu peux battre n'importe qui. Parce que niveau, avec la pression, un ballon, il fera, il fera. Et donc, ça, c'est quand même assez problématique d'y servir à la GSK. Après, bien sûr, le deuxième truc qui va être c'est les différentes situations de Nouala, le trio d'attaque. Que ça Berkane de côté, parce que pour moi, c'était plus un avant-centre, qui était un point de fixation, qui était relax, et qui a beaucoup aidé dans le jeu. Mais c'est eux qui devaient faire à donner le jeu et l'animation Bogarasen. Et on n'a pas beaucoup vu sur les Guinées, on n'a pas beaucoup vu un petit peu la connexion la première situation qui pour moi démontre à et elle va dénoter que les joueurs de Guinée, même beaucoup de joueurs de la GSK, ça a des qualités. Ça a des qualités. C'est pas des joueurs, moi au général, je ne sais pas. Ils ont tous des qualités. Mais est-ce que ça a un souchet de souffrance les qualités? C'est ça le truc, c'est ça la question. Et je pense la situation est Guinée, déjà, il fait quelque chose de magnifique. Hein, il élimine et il va essayer de trouver l'espace Mouaké. La roulette née pour éliminer un joueur, puis deux, et se passer des mois. Après, il y a une prise de balle à Schkitz. Après, la passée Boualia qui va essayer de ne pas jouer de Guinée. Je pense c'est difficile. Il lève directement Erdjum. Je pense qu'on prend dans l'information de Hin, ça devient difficile. Mais ça prouve que c'est l'essayer les joueurs. Il a à connecter encore plus. Il y a la situation à Guinée, l'action à Guinée, beaucoup mieux. Soit avec un bon choix dès le début, dans la deuxième passe, il faut être dans un tic rapide. C'est la première chose. Mais le problème des joueurs, c'est évidemment leur mauvais choix. Que les mauvais choix. Un premier exemple, Ender il s'agit dans le couloir. Et pour le servir, et il va prendre le choix d'été. Jusque-là, on ne rien fait. Mais alors qu'il y avait le meilleur choix que tu vois, c'était de servir Mouakadi peut-être jouer en remise. Donc, et ça s'est répété une deuxième fois. Vas-y, ce qu'il va faire de la situation. Je veux essayer de comprendre. Je veux essayer de comprendre. Mais la carte se fait. Et que après, tu te dégages de Kanakina, etc. Alors que non seulement le choix de passe et le fond et Denis Berkane n'était pas hors jeu, d'un autre côté, Saïd Boualia. Donc, Saïd des solutions de passe. Et que je trouve ça vraiment, c'est du grand n'importe quoi. C'est que c'est vraiment du grand n'importe quoi. Personnellement, ne couvrez tu fais le mauvais choix. Donc, il y a un problème de concentration, il y a un problème de confiance, il y a un problème, voilà, il y a un problème quelque part. Et d'un autre côté, la situation avec Boualia, ça va le prochain sujet, c'est le fond de jeu. Et Nwali, dès la prise d'information, bon, le début de l'action, c'est un coup franc intervenant à la GSK, qui est dégagé.
pour que il y a une récupération de Boualia très très haute. Et nous, l'équipe, en phase défensive, il y a une idée, c'est de faire ressortir l'adversaire, c'est à dans le fil, voilà, faire monter le bloc, et nous, aspirer le côté guiné, la poussée de faire à Rahmani, et après, jouer la longue balle sur le deuxième, l'espace né, et nous, comment ça s'est très très bien fait, très bien trouvé, Boualia. لكذا عيت عثمان بروند الاسباس اذا جي هيني دنا لو بروبليم سيتي ما فوضى لا زون كي لاجي اسكا لو موفي شو بو عليا دو تروفي الوغ كي ساعه 3 4 جوار يدس دي الاسباس يفي لو موفي شو توت لاكسيون ايتي بارفيت Tout, du début de l'action et même de la fin, il y a eu quand même une idée, c'est de faire ressortir Terbaïth Aguinim Ben Aknoun, essayer de trouver la longue balle et l'espace, et se faire un problème à Maguiné à trouver quand même la solution. Ça, c'est quand même problématique. Mlih, mlih, mlih. Et là, jusqu'à le dernier tiers, faire le bon choix. Donc, un Chaguiné, il va pas se régler, il va pas se régler, il va se régler avec du travail, avec de l'intensité, avec. Être la confiance. Je pense que les joueurs et de l'espace, ou ça a l'espace, et on l'a vu, les espaces, donc le simple mauvais choix de Khadman, il te vend donc encore plus. Mais le quand il a l'espace, hein, voilà, de l'équipe de Ben Aknoun, on l'a vu dans la situation de la transition rapide, né, la GSK en deuxième mi-temps, la contre-attaque, né, voilà, les maglas gère l'espace. Les joueurs qui se connectent facilement, hein. Nouala et Waharan, il y a eu quand même une situation de sein de l'espace, ça s'est connecté plus rapidement. Donc, le bloc ban Ben Aknoun a fonctionné. Le bloc ban Ben Aknoun a fonctionné. Et dans les rares situations, ça va dans la GSK souveraineté, avec bien sûr ce jeu de possession. Donc, d'agéné, on chame un petit peu dans le truc. Zmed n'a répondu sur le sujet qu'il n'y a pas de fond de jeu. Non, mais il y a du fond de jeu. Nouala, c'est la situation, il y a du fond de jeu. Sur une situation mais il est bloc ban ou la manière que la GSK peut jouer sur les côtés faire du dédoublement sur les côtés pour justement traverser la ligne de 5 des Mest c'est de c'est assez clair et net qu'il y a un travail qui se fait sur les côtés et même dans la transition dans le jeu de possession après même dès le but l'utilisation de la largesse avec les joueurs comme Mouakin, Abou Alia, elle est presque le demi-espace. Et le but, voilà, Mouakin qui est vraiment dans le demi-espace, et Abou Alia dans le demi-espace, pour justement permettre il latéral et elle est sur le côté, c'est déjà l'espace, et directement, Maitre Balodina, il est dans l'action, et donc ça permet et l'action de se créer et il faut le rappeler que dès le but à gagner une bourrechouche le rôle parfait de Berken il y a un axiali ou un axial caniglan donc l'axiali il a un problème soit dit Berken soit des rochers ou nadirin et bourrechouche qui prend l'espace né et on voit que le défenseur Ben Aknoun il est pris en retard il a un côté le rôle de Berkane de Butni c'est l'aide de l'espace il a un bouchonchouche de l'espace il a travaillé de l'espace ça lui a permis et bouchonchouche de prendre justement l'espace né et d'aller Guinness dans l'espace à Guinée et justement trouver le but Guinée c'est quand même un but et Noël est dans une autre situation mais elle a toujours le fond du jeu elle sort de jouer avec un Berkane avec d'autres façons parce que Noël en deuxième temps par exemple de la situation à Guinda il est trouvé avec un long ballon il peut être trouvé avec un long ballon Ismaël il avant long ball Ismaël avant pivot Ismaël il avait sans ballon qui est Noël dès le but donc le rôle Inès, le joueur qui te permet là, que la palette est offensive, elle est aussi, au lieu qu'elle soit dans les petits espaces, mais elle est en longue balle et que des joueurs, elle est projetée. Et c'est ça, elle dit le but. Dès le but, Inès marque la GSK. C'est que justement, un joueur qui a le de l'espace, qui a été profité par Bouchonchouche, par exemple. Mais voilà, en deuxième mi-temps, un joueur qui a de l'espace, il n'y a aucun joueur qui se projette Guarulis. Ou joue sur un Guarulis pour profiter justement de l'espace né d'Israël. Et il y a une seule situation en deuxième mi-temps, c'est qu'il y a une ancienne, et Mamri a aussi été dans le long ball.
et que ça aurait pu, il y a de la remise des mois qu'à profiter de l'espace. Je vois pas, ça n'a pas été beaucoup plus répété. Et donc, ça, c'est quand même une autre chose. Après, il y a une question d'antiquité du Hollande, c'est qu'en fin de match, à les 10 dernières minutes, on a bien fini et que la jasquette fait de la tactique. C'est-à-dire qu'après la rentrée de la semaine, la jasquette sera presque en bloc bas. Sera presque vraiment en bloc bas, bloc médium, et c'est la transition rapide, mais les joueurs n'ont pas la transition rapide ou les chisens. Hein? Et elle a mis que je me souviens, voilà, autre chose, parce que la semaine, un mois qui ça n'a pas trouvé un petit peu de ça n'a pas trouvé une bonne chose, une bonne solution, une bonne alchimie, mais nous, là, l'entraînement souvent, c'est beaucoup plus de danger. Il y a qu'à s'y côté fond de jeu, un petit peu d'ancien de Guinée, où il n'y a pas de fond de jeu, que je veux bien qu'il m'explique c'est quoi un fond de jeu. Un fond de jeu, c'est de mettre en place un jeu, c'est de mettre en place des automatismes, et nous, les automatismes, ils sont mis en place. Que ce soit de la création dans le jeu de possession sur les côtés, faire sortir un bloc bas parce que Benak nous l'avons bloc bas et que le 5 juillet, il l'a dans un stade où c'est un des meilleurs se défendre dans un bloc bas, c'est un minimum, hein. Il faut le dire. Mais le premier novembre, il y a un 5 qui a toutes les équipes. Il faut le dire. En 2018, en Coupe d'Algérie, on a 1-0 contre l'équipe de Benak. Est-ce qu'en 2018, il n'y avait pas de fond de jeu? Écoute, il n'y avait pas de fond de jeu. Il y avait un très bon fond de jeu. C'est presque le même fond de jeu, Noël Azaghine. C'est le même. Dans le jeu de possession, c'est vrai que les joueurs, ce n'est pas les mêmes. L'animosité, surtout, il y a d'autres éléments. Mais les qualités, c'est les joueurs, et les joueurs, techniquement, dans la création, ils sont pas vraiment dans Abou Sani, il y avait quand même une explosion, un joueur comme Ben Khalifa, Ben Youssef, voilà, c'était des joueurs qui avaient sur le plan offensif une animation encore plus poussée, mais le fond de jeu il l'a. Et même les choix tactiques de l'entraîneur que je trouve qui sont des fois ils sont trop tard, parce que Manuel Msouva dit beaucoup plus tôt, on attendait de le voir beaucoup plus tôt Msouva, et là l'entraîneur c'était Boudin plus. C'est beaucoup plus de l'espace, ça a créé des situations. Voilà, après, l'entraîneur, il essaie quand même de donner confiance plus à certains joueurs comme Boualia, mais des joueurs qui doivent avoir des antiques de la confiance. Mais le problème, c'est que les matchs, ils se donnent. Le seul match, normalement, tu aurais pu être dans le match et faire tourner, tu ne l'as pas fait. Donc, c'est dans le match contre Xantena. On sait pas tout le temps d'être à part le Bayard, elle a dit se défendre avec un aspect défensif encore plus poussé que l'équipe Guinée-Bénin. Mais c'est un bon test à Guinée, un vrai test d'un point de vue du jeu, de l'animation. Et après, Mouloudia, ça va pas te permettre de faire tourner. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport au match à Guinée. C'était difficile de trouver les séquences, d'essayer de démontrer, mais bon, on essaye. Et quand même, je pense que c'est une réussite à l'école. On se jette des fleurs, mais il le faut à un certain moment. Et quand on dit que c'est un numéro de Sanawan, et vous avez dit que vous avez dit que on a des meilleurs dans d'autres vidéos, dans d'autres analyses. On va parler du CSC, de ce qui se passe dans le club, de l'actualité. Je vous invite à vous abonner, les comptes NAN, Facebook, Instagram et surtout TikTok, parce qu'on partage beaucoup, beaucoup de choses des NAN. Et on dit que c'est un numéro de Sanawan. Sous-titrage Société Radio-Canada.